Eh les gars, et si quelqu'un, vous le voyez, fait ça, vous vous en rappelez, et vous dites non, ça c'est 6-4, ok? Il l'avait inventé à 17h23, ok? Parce que ça, les amis, ça va être utilisé en Pro League, et comme d'habitude, ça va s'appeler chez quelque chose. Mate. Remember it. Standard, replacing unranked. Ah, le unranked disparaît. Is the standard playlist offering CH Scores experience with the bomb game mode. Ils ont changé le nom, quoi. Ça s'appelait Unranked, ils l'ont appelé Standard. Oui, c'est comme Terroristen qu'ils ont rename Training Ground, quoi. Ah ouais, ah dites donc, incroyable. Gros changement. Bah, c'est déjà le changement que j'attendais, impeccable. Et c'est le troisième stand de tir, là, il est cool pour tester les armes. Ouais, t'as raison. Ah, faut le faire en mode Rainbow Six. Ça me permet de me chauffer. Pourquoi ils deviennent jaunes les ballons là? Vous avez vu ce qu'il y a marqué en bas, en haut à droite? You égale Big Ball. Ah bah voilà. C'est Rainbow Six qui le dit les gars. Bon allez, oh, j'ai trop envie de la tester. Déjà la porte là, ça la pète ou pas? En avant. Ah ouais, mais attends. Tu peux faire comme Oza? Tu peux juste le balancer en fait. C'est Zelda. Zelda m'a appris qu'il y avait un passage secret ici. Non merde! Oh, ça fait vraiment bordel hein. Mais c'est horrible le bruit! Ah ouais, le but du jeu c'est vraiment de couvrir tous les sons et de se faire surprendre dans l'anus quoi. Bah normalement tu t'arrives à couvrir une plante hein. Mais regarde! Mais c'est n'importe quoi! Salut les gars, on va aller par là! Allez, c'est parti! T'as rien entendu? Qu'est-ce qui se passe si tu prends le drone dans la gueule? Vas-y. Avance! Ah, tu veux vraiment que j'avance et que je le prenne là comme ça? 5 dégâts. 5 dégâts? Ouais. Le truc qui fait 100 kilos. Je disais, le truc qui fait 100 kilos. Et par contre, tu vois, si je suis devant, à chaque fois qu'il me vient dessus, je prends des tics de 5 de dégâts. D'accord, ok, ça marche. Donc, est-ce que tu veux essayer ça? Wire, puis Haruni. Vas-y. Il a cassé les toilettes. Il a tout cassé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? Mais qu'est-ce qui l'arrête? Juste normalement la bonbonne de gaz derrière. Ouais. Et donc si t'arrives et tu fais ok, j'arrive le gars, bam. Ah, ça rebondit mal en revanche, ça se retourne pas comme un drone. Non. Est-ce que si je mets un coup de poing... Ah non, ça fait comme un drone en fait. Vas-y. Non. Ah, tu viens de te péter le bras, frérot. Mais attends, c'est derrière. Ouais, tu vois, ça pète. Et... Okay. Ok. Les attaquants ont du C4, t'imagines, tu le lances et tu poses ton C4 dessus. Ah, tu peux faire avec une lame. Ah, quoi? Non, toi, tu joues trop à Battlefield, frérot. Si tu passes en plein milieu de la trappe, est-ce qu'il descend en dessous de la trappe? Ah, j'en ai plus en fait. Ah, t'en as plus. Ouais, okay. Autant pour moi. Vas-y, tue-moi. Ah, sorry. Je suis trop rapide. À cause de mes lunettes. Du coup. Je suis au niveau du mur. Plus. Invisible. Ah ouais, genre ouais. Plus du tout invisible en fait. C'est ça. En même temps, c'était un peu pété, c'est très bien comme ça là. Alors, il ne prend plus les IEM parce que maintenant il est désigné comme un objet mécanique. Donc, ouais. Tout ce qui est par exemple hack de Brava également, il ne prend plus en compte. D'accord. Avant, quand tu prenais une Goomine, tu sais, tu prenais des dégâts. Bah, ouais. Ça a été rétabli à 5 HP comme avant. Les dégâts de chaque tic, toutes les 2 secondes et demie, tu prenais des dégâts. Avant, c'était 8. Maintenant c'est 12, tu prends 12 de dégâts toutes les 2 secondes et voilà. Vas-y, bah viens là, j'ai envie de te faire souffrir. Vas-y, attends, je m'insère. Ok, vas-y, envoie ton truc. Tu le veux en où? Là. Ah bah non. Vas-y, bah c'est pas grave. Ah si, c'est vrai que tu peux le re-pick-up. Putain, je me demande comment elle emmène ça avec elle, mais bon, bref, pas très grave. Vas-y, go.
Ah, les impacts le font péter. Ouais. Pourquoi t'es timide sur ton ouais ou c'est parce que je l'ai balancé à l'arrière? Non, normalement impact et C4 ça fait péter. Après tu veux tester sur l'avant pour être sûr? Ouais, vas-y. Putain, mais et le laser là Ah oui, d'accord, ok. Bon, ça va, c'est pas si optique ça en fait. Bon, d'accord, ok, why not? Et pourquoi? Attends, on peut les avoir direct mes Goomine? Non, ou c'est parce que je viens de les avoir là? Non, je crois qu'il y a eu une histoire où t'en as une en plus au total. Et t'en reçois du coup toutes les 20 secondes et puis les 30 secondes. T'en as combien là? Oui, t'en as 9. Donc maintenant t'en as 9 et t'en as une toutes les 20 secondes. Mais c'est parce qu'on est à 2 minutes. Vas-y, prends-les dans tes yep. Oh bah là, t'es prêt? Ah ouais! Ah ouais, ça pique! C'est ouais, un quoi comme opérateur? Un 3 de vitesse, un 3 d'armure pardon. C'est un 3? C'est 3 d'armure, 1 de vitesse. Donc t'as 120 de dégâts, t'as 120 HP pardon. Non c'est un... Ah si ouais, un 3, vas-y. J'ai pris en fait si tu veux les 5 de dégâts. Ouais. Sauf que derrière, vu que j'en ai pris une et si je reprends une autre, je prends directement les 12 de dégâts plus les 5 de l'autre. Et ça reset le cooldown. Le quoi? J'ai pris la ça première. Ça reset le? Le cooldown. Ah. Oui j'ai dit le cooldown. Ouais. Et le cooldown. Mmh. Ça le reset. Donc tu fais 5-12. Wow. Ah bah ouais, là ça déconne plus là. C'est quand même incroyable quoi. Ouais, faudrait c'est juste compter sur la trappe. Incroyable. Non mais t'arrives ouais. là, on peut pas en envoyer deux. Mais bon, tu peux faire tac, 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 tac. Nom de Dieu, quoi. C'est ouf, quand même, non? C'est trop fort. Ouais, mais à chaque fois qu'un opérateur sort, les amis, on est tous là. Putain, c'est trop fort! Flores est sorti! Non, mais c'est OP, hein! Personne le joue. Zéro! Ça, c'est incroyable! Son arme, elle tire trop bien! Personne le joue. Yana est sorti. Ouais, franchement, Yana, je trouve pas ça si fort. Tout le monde la joue. Warden est sorti. Franchement, Warden, c'est un peu surcoté et tout. En plus, bah là, Glaze, machin, Yang. Tout le monde le joue. Tout ça pour dire, ça reste Rainbow Six et il y a quand même d'autres éléments que le gadget au final, qui sont parfois même plus importants quoi. Genre le viseur, l'arme et les éléments qui viennent avec au final. La rapidité aussi du bonhomme, voilà quoi. Du coup... Est-ce qu'il va tomber dans la trappe? Non mais c'est cheaté un peu non quand même. Sur quelle map ça peut être totalement débile ce truc? Bah déjà consulat c'est pas mal hein. Sur consulat c'est assez cool quand même. Bah, y a beaucoup moi j'ai grave envie de le jouer quoi. En plus R4C, pof, t'arrives, bra, tu mets tes trucs, hop là. Mais l'un des trucs dont on n'a pas parlé honnêtement, et le gros point de ce truc là, c'est pas forcément le fait que ça pète tout et tout, hein. Vraiment. Premier degré, c'est le bruit. Mais regarde. Bah ouais, j'entends même pas la plante quoi. Et j'ai failli planter. Voilà. Et donc, ça c'est les petits trucs de Rainbow Six quoi. Ça c'est hyper important. Si on regarde comme ça, là, si je suis en mode création de contenu en disant « Ah, trop fort, ça pète tous les trucs. » Ok, d'accord. Mais le vrai truc, c'est le bruit que ça fait. Parce que c'est un bruit qui couvre. Et c'est un bruit qui couvre tous les autres bruits au final. Et là c'est pété. Vas-y, balance vite. J'entends rien. Rien, ou c'est une façon de parler? J'entends quand même des tics, mais... J'entends, moi quand le truc il est à côté de moi, j'entends même pas moi-même diffuser. Écoute. Bon, il y a moyen de faire des petits trucs de p*** là, je pense. Hein. J'en si ça marche. Oh, si, il y a moyen. Il y a moyen de faire des trucs de p***, hein, je pense. T'arrives sur des trucs comme ça. Vas-y, va enlever ton castle. Vas-y, joue-moi. Essaie de me jouer. Bien joué. Bon endroit quand même. Eh, ça passe pile en dessous. Eh, ça, c'est un petit truc dans le. Va voir ton chien, regarde. What?
Et c'est quoi l'intérêt? Bah tu peux faire pareil mais sur le Oza Shield. Donc si fait, imagine tu positionnes en plein milieu d'un couloir ton Oza, tu reprends ton fuse, tu fous derrière, imaginons t'as un champ de barbelés ou du stuff à détruire. Bon, plutôt sur une fenêtre à la limite. Ouais, ou sur une fenêtre qui est ouverte, tu mets ton Oza et... Mais est-ce que ça fait un trou dans la Oza? Comme ça le ferait dans un castle? Non. Regarde le trap, y'a un nerf normalement. Allez. Tu peux... Et t'as quoi là? Là normalement je pisse un peu du sang. Un peu. Et je peux pas courir. Oh la vache, tu peux pas courir? Non. Et si tu veux, j'ai un petit symbole à côté de ma barre d'HP avec le logo de Frost. Mais mec, mais t'as perdu 16 litres là. Le corps humain n'est composé que de 6 litres de sang. What the fuck? Ah mais c'est un film d'horreur. Mais c'est dégueulasse. Et ça reste en plus! Bah, ça reste quasiment 30-40 secondes, je crois. Ah bon, ça part un moment? Ouais, ouais. Mais d'un coup ou one by one? Alors, je sais pas. Non, ça doit être d'un coup. Et durant toute la durée du cooldown. Mais ça reste pas, ça s'enlève pas. Si, là, ça s'est enlevé. Ça vient de s'enlever à l'instant. Hein? Quoi? Pas du tout. Et je peux courir. Non, ah, mais pour, ça s'enlève! Moi, en fait, j'arrête de saigner. À partir de toi, ton hémorragie arrête, quoi. C'est ah, mais ça, ça reste. Eh, ouais. Hey, mec, t'en as foutu partout, hein. J'ai repeint la map. Et là maintenant je peux recourir. Oh le film d'horreur. Oh la vache. Ah ouais, après là non, je me suis arrêté. Ah ouais là tu t'es bien arrêté là mon gars. Ah ouais là tu t'es gratté le fion là. En fait j'ai l'impression c'est si tu veux courir, ça pisse un peu plus mais tu peux pas courir. Waouh. Ok, et t'as combien d'HP? 20, vu que comme une revive classique. Comme si je m'étais fait revive par un nouveau coéquipier. Mais tu peux en revanche le faire en instant quoi. Ok. C'est ça. Ok, ça marche. Et qu'est-ce qui se passe du coup si tu retombes dedans? Bah... Ah ouais, ok, bah ouais, là c'est... Ok, raid. Je persiste à croire que j'ai inventé le plus beau truc de l'histoire de Rainbow Six. Eh les gars, eh, si quelqu'un, vous le voyez, fait ça, vous vous en rappelez, et vous dites nanana, ça c'est 6-4, ok? Il l'avait inventé à 17h23, ok? Parce que ça, les amis, ça va être utilisé en Pro League, et comme d'habitude, ça va s'appeler le Checo quelque chose. Oh, tu l'as vu, hein? C'est le Checo, Checo Peak, Window, what the fuck? C'est sûr! Mais ça, c'est incroyable, incroyable ce que je viens de trouver là. Attends. En plus c'est hyper simple à faire, t'arrives, tu le mets là, le truc est à l'extérieur, ils peuvent pas tirer dessus, ta m***. Mais ça c'est incroyable, incroyable ce que j'ai de trouver là. Et tu tires... Attends, là ça tire ou pas? Ah non, et là ça tire même pas. Donc ce qui veut dire que là tu peux voir les mecs, il va essayer de te tirer dessus, c'est n'importe quoi. T'es obligé d'être en dessous quoi. Ah, entre les deux roues ça ne passe pas. Non, entre les roues ça passe pas. Et okay. Entre les shredders à l'avant ça passe pas. Ça passe en fait réellement sur... Y a un mur invisible. Et ça passe vraiment... En fait ça fait une box le truc. Ouais, avec un mur invisible. Donc là ça passe pas. Et même le shredder à l'avant là ça passe pas. Là. Ok. Sauf bien évidemment au niveau de la ligne qui est en dessous. Oh là là, c'est incroyable, incroyable. Ce truc là est incroyable les amis. Dès que vous le voyez dans une vidéo YouTube, vous mettez un commentaire en dessous. You didn't invent anything, you motherfucker. Ok, parce que ça va être un anglais encore qui va me le chourer. Est-ce que tu veux qu'on fasse le test? Ou je te mets l'OHP et tu prends le Frost? Attends, et ça le pète ou pas? Vas-y, on va tester. Bien sûr. Vas-y, le bruit, c'est horrible. Ok, j'ai 80. Bah, what the fuck, putain, ça tape quand même, non, les shotguns, là? Attends, reste là et je vise. T'as pris combien? J'ai 35, j'avais 80. 45. Oh oui. Je t'ai loupé. Ok, bah arrête de me tuer, s'il te plaît. Mets le truc au sol. Allez. Tiens, fils de pute. What the fuck is going on? Oh merde, ça m'a fait trop peur. J'ai totalement oublié. Alors attends, F pour self revive. Et y'en a qui ont été surpris comme moi ou pas? Oh le débile. Non c'est bon, 20 du coup. Ouais donc toujours je pense 20. Ça fait comme un hook. Ça fait comme un système de hook. Même si t'as 2 HP et que tu le prends, tu finis à 20 HP quoi, je pense. C'est trash quand même. Tu refais la peinture? Bah là j'y vais là. Ça fait beaucoup de sang quand même, non? Ça tombe vite en plus, hein. En revanche, ils auraient pu changer le pattern. Le mec de chez Ubisoft qui a fait le PNG, il s'est dit, ouais, franchement. Eh, ça fait beaucoup, non?
Eh, c'est pas mal. En fait, maintenant, quand tu vises avec ton shotgun, il est plus précis. Mm. Donc, entre guillemets, si je me mets là... Ah merde, c'est pas ouais, le bon ça, exemple. Ça fait comme un coup de slug. Bah si, on l'a vu, autrement ça aurait pas dû faire ça, normalement. Ouais, c'est ça. Nom de Dieu, quoi. Ouais, bon. Non, bon, ça reste toujours de la merde. Non. Attends, ouais. Mais faudrait voir ce que ça donne. Genre sur une line, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Putain, mais là, le fait que tu me... Ouais, merde, je t'ai... Ok. Dans le Grim, c'est quoi le truc? Alors, du coup, normalement, je vais se regarder. Là, ça stick. Et j'appuie sur B. Et là, ça bounce. Voilà. Eh, ça devient puissant, Grim. Hein. Putain, la vache. Qu'est-ce qui se passe quand ça bounce exactement? Genre, fais le bounce là. Ouais, enfin, avec un angle sur lequel on aurait pu le voir, fils de p***, mais... Genre là, au-dessus, là. Attends, j'ai mis énormément de dégâts au début, mais ça a quand même pété. C'est trop chelou. Vas-y, refais. Que je puisse tirer dessus. Mais tu l'as mis à un endroit où il y avait déjà un truc, donc on sait pas lequel est lequel. Oh, elles tombent, les machines, à la fin. Ça faisait comme ça, avant. Ouais. Il y avait un effet où on les voyait tomber. Oui, oui. Ok. T'en as d'autres? Non. Ah bah bravo, super. Donc on fait quoi là? T'es où là? Je suis en dessous. Ah. Avec ma solis. Ah là, faut que tu me dises ça marche quoi. Ouais. Je vois le drone. Et je t'ai pas vu l'activer. Mais par contre, alors. Le drone. Quoi? Attends. On va attendre hein. Du coup, je disais. Le drone, je le vois uniquement quand il est pas activé. Quand tu l'as déployé. Genre là je le vois. Mais ouais. Si tu l'actives, active-le. Je le vois plus. Mais je l'entends par contre. Putain, le bruit que ça fait. C'est le système de laser au début là, que tu vois en c'est fait. Ça. Ouais. Là il est parti, là il est parti pour manger toute l'humanité là. Allez go. Ah ouais, il arrache même le béton quoi. Il fait péter le carrelage. Dans la condition que je parle, la condition là pour moi il le pète. Ah ouais. Voilà. Après, faut essayer l'autre condition qui est un peu plus la mode normale quoi. Ah ouais, ça le pète hein. Ah ouais, effectivement. Nom de Dieu. Mais attends, mais. Laisse-moi réfléchir. Oh, NTM. Voici ton clip pour Twitter 6-4. Nah, après, les gens vont dire il y a plein de bugs. Franchement, ça n'a pas changé beaucoup, hein, Rainbow Six. Hein. Ça fait 2 ans que j'ai pas joué. Hein. Franchement, il y a toujours autant de bugs. Et il y a toujours autant de cheaters. Non, ça, franchement, 6-4, ça fait 2 ans que j'ai pas joué au jeu. Hein. Et ben, je m'en. Oh, ça me casse les tous les gens qui viennent me raconter que ça fait 2 ans qu'ils ont pas joué au jeu, qui kiffent le jeu au final, mais bon, ils ont été déçus par 2 trucs. Je reteste mon buggy soft. Hein. Deuxième truc. Ah, je vous ai dit, moi je suis un bêta testeur, les mecs. Ah ouais, non mais qui m'embauche. Hein. Qui m'embauche. Moi franchement, je demande pas grand chose. Un charme, par exemple, in-game. Franchement, ça me plairait. Là, il y a 3 mecs d'Ubisoft sur le chat, sur le stream, vous le savez pas quoi. Putain, Didier! Il a testé le truc. Faut qu'on corrige ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. En 2 secondes maintenant tu fais un trou de rota quoi. Bam, bam. Je vous rappelle qu'au début du jeu quand même, je vous rappelle juste un truc pour ceux qui connaissent pas. 2016, voici un trou de buck en 2016.
Oh, et encore, je suis gentil. Là, c'était un beau trou de bug. Hein. Là, c'était vraiment un beau trou de bug. Ouais, d'accord. Ouais, vraiment, il prend zéro dégâts à part dans son truc de merde, quoi. Comme le Mira, quoi. Ok. Moi, je dis, ils auraient dû mettre un truc à 30 HP, tu vois. Mais bon, bref. Allez, tu peux. Allez, Jean-Claude. Vas-y, va là-bas. Par là-bas, vers l'infini et l'au-delà. Ah, ça servira à rien. Et voilà. Je pense qu'à la base, il devait marcher comme ça, tu vois. Il voulait le faire marcher sur le mur aussi, j'en suis sûr. Oh, il y a quelqu'un du bide dans le chat tout à l'heure, j'en plaisantais. Gio, je suis désolé. Bon alors, vous le vouliez ça ou pas, Gio? Ubi Montréal est dans la place. Vous le vouliez pas ça? Non, c'est moi le dev de l'Obs en plus. Oh putain, merde. Oh, je suis désolé. Et ça, vous l'aviez déjà vu ce bug? Bon, en même temps, les TTS sont là pour ça, quoi. Moi, je me suis dit, ce serait incroyable de jouer sur une verticalité positive et de venir le coller au plafond, Joe. C'est un bug, je vais le fixe, on l'a vu vendredi. Ah ouais? Eh ben, facilement reproductible, du coup. J'allais envoyer le truc, du coup, sur Twitter. Ah, désolé, je me moque, hein, c'est salty. Hein. Mais à chaque fois, je le mets sur une diagonale, du coup, il vient se mettre, voilà, comme ça. Tu veux que j'enlève le tweet ou quoi? Je risquerais de perdre mon charme. Ah, je rigole. Non, je voulais savoir ce qu'il y avait de nouveau, parce que le plein de changements, c'est quoi que t'appelles plein de changements? C'est du bait pour le titre ou c'est... Il y a vraiment plein de changements, mec. Ça, déjà, c'est quoi, là, que tu vas t'apposer au sol? Ça, là? Ouais. Ben, c'est une sorte de petit camion, non? Un petit camion pour les gamins. Ah bah oui, t'as un petit camion. Mais what the... Ah ouais, ça. Ah la vache. Il s'était dit sledge, il servait plus à rien, c'est ça? Ah oui, tu peux le diriger. Attends, on peut le faire. Ah ouais. Est-ce qu'il fait un trou dans le mur en fait? Non. Moi j'aime bien. Gio, t'as ah fait ouais, du j'aime bien. J'aime bien aussi. Il est pas rapide en plus, donc il va vite se faire défoncer à la limite. Faut juste baisser le son parce que c'est horrible, mais voilà. Ouais, j'avais pas le son. Non, ouais, c'est cool. Et c'est un quoi, un attaquant? Un gars, des trous de shotgun. Genre à cette distance en bougeant. Tu fais des trous de fourrin, quoi. Voilà, et après, tu fais un clic droit. Et c'est qu'une arme de rota, ça, à la base, hein. Ouais. Montre la R4C. Ah oui, R4C, la R4C elle a un 2.0 maintenant. R4C elle a un 2.0, d'accord. Bah là le. Et 1.5. Attends, et 2.0. C'est quoi l'opérateur R4C que t'as, là? R4C ACOG là. Là c'est le nouvel opérateur. Il a l'arme de H aussi. Oh putain la vache. Et c'est à combien de vitesse? 16. 3, 16 de vitesse, 15 armure. Ah ouais, non, c'est pas mal. C'est correct. Pour le détruire, t'as juste à tirer dessus. Non, tu dois tirer dans une gaz comme Mira. Derrière, au cul. Ah, oh, c'est dur. Ouais, mais impact tous ces quatre, c'est tout. Autrement, ça pète tout. Ça mange ton truc, ça mange ton mur, ça mange ta trappe, ça mange ton wall. Non, mais là, ce que ça a fait ici, c'est extraordinaire. Du coup, quid un peu de Sledge? Sledge est mort. Hein. Oui. Et ils l'ont retiré. Oui. Du jeu. Oui. Et ils l'ont appelé Poutine. Et il a juste un bouton rouge. Il faut pas le faire chier. Rip Sledge Bug. Bah, pas rip, non. C'est pas la même utilité, les amis, quand même. Et comme arme, il a quoi? Il a la R4C, c'est tout? R4C et la batteuse de Zofia. D'accord, oui. Donc tout le monde va prendre la R4C. Ah bah, là, R4C 1.5 et pas la COG, bien sûr. Mais 1.5 et 2.0. Ok. Entre guillemets, ah, c'est une coréenne en plus, trop bien. Elle a une tenue militaire, quoi. Donc oui, déjà, c'est ce que j'ai dit. Elle a le même casque que moi. Elle a un vrai PTT. Ouais. Bon, il est pas connecté, oh ouais, son PTT, parce que c'est un peu. Ouais, bah ouais, PTT, quoi. Ouais, bah en parlant de PT. Ok, et là vraiment moi ça me fait plaisir de voir un truc ah ouais, qui ressemble à ça. Il est énorme, enfin, son camion. Il y a eu un changement quand même de... Ah, elle a un Kydex. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a une volonté de revenir à quelqu'un qui est habillé normalement, quoi. Putain, complètement, quoi.